Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Seminário Internacional 1917, o ano que abalou o mundo, 100 anos da Revolução Russa, uma realização do SESC São Paulo e da Boitempo Editorial. O Seminário 1917, o ano que abalou o mundo, apresentou discussões e reflexões em torno da atualidade do legado deixado pela primeira revolução socialista da história, a Revolução Russa de 1917, que completa seu primeiro centenário em 2017. Ainda, promoveu um balanço do último século, tomando a história da União Soviética como eixo, com a finalidade de instigar novas formas para o pensamento. Em uma primeira etapa, o seminário apresentou o curso A História da Revolução Russa, em quatro encontros, realizados de terça a sexta, no período da manhã, com Michel Levy, Marli Viana, José Paulo Neto e Ângelo Segrillo. A segunda etapa do seminário trouxe debates, conferências e palestras do ciclo Diálogos com a Revolução Russa, em 11 encontros, de terça a sexta, nos períodos da tarde e da noite, com José Paulo Neto, Lenina Pomeranz, Luiz Fernandes, Wendy Goldman, Damas Kraus, Tariq Ali, Michel Levy, Antônio Negri, Domenico Losurdo, Anita Prestes, Miguel Veda, Emicida, Valnice Nogueira Galvão, Pierre Dardot e Christian Laval. Lembramos que o seminário está sendo transmitido online pelo site sescsp.org.br/revolução-russa. Acompanhem também a programação integrada do seminário com a exibição de filmes no Cinesesc, pelo site sescsp.org.br/programação-100 anos da Revolução Russa, tudo junto. Informamos ainda que, após a mesa, o público poderá fazer perguntas por meio das fichas inclusas no bloco de notas do seminário. As perguntas deverão ser entregues às pessoas identificadas na plateia e serão repassadas ao mediador. E agora, para o último tema, A Ideia do Comum: Teoria e História de um Ideal, convidamos a mediadora Laura Carvalho. Boa noite a todos. Gostaria de convidar à mesa os participantes, agradecendo o convite da Boitempo para participar do seminário. Acho que esse convite talvez tenha se devido ao fato de que eu li o livro A Nova Razão do Mundo, do Pierre Dardot e do Christian Laval, e comentei publicamente, escrevi uma coluna na Folha que citou esse livro. É um livro que foi publicado, lançado no Brasil num momento extremamente propício, com um timing que não podia ser melhor, pois tratou da economia como forma de limitar as demandas democráticas da sociedade, né? E a gente agora está aqui para discutir o novo livro do Pierre Dardot e do Christian Laval, O Comum, que de alguma maneira continua, né, oferece as soluções para, num momento em que o Estado está capturado pelo neoliberalismo, quais são as soluções numa democracia, né? Gostaria de convidar à mesa Pierre Dardot, que é filósofo e pesquisador da Universidade Paris-Ouest Nanterre La Défense. Christian Laval, professor de sociologia também da Universidade Paris-Ouest Nanterre La Défense. E o professor Christian Dunker, psicanalista e professor livre-docente do Instituto de Psicologia da USP. Bom, vamos dar início a essa mesa. Antes disso, eu gostaria de anunciar que os três palestrantes, né, na verdade, os dois palestrantes e o Christian, que veio hoje de comentador, vão estar assinando cópias dos seus respectivos livros. Então, vai ter aí uma sessão no final do evento para assinatura dos livros do Comum, da Nova Razão do Mundo e, no
no caso do Krishna, do mal-estar, sofrimento e sintoma, e tem acho que um outro livro aqui que tem um texto também do Krishna Avendra. É isso, vamos dar início então. Acho que a primeira apresentação será do Pierre Dardot, terá 20 minutos. Merci, je suis très content d'être là pour présenter Commun, dans la mesure où c'est un livre auquel nous attachons une très grande importance, Christian et moi, et je crois qu'il faut commencer par faire une petite remarque concernant le titre que nous avons choisi de donner à ce livre. Le titre, en effet, c'est Commun au singulier, sans article défini. Dans le livre lui-même, nous utilisons beaucoup l'expression « le commun », avec un article défini. Mais, de notre part, l'intention était tout à fait précise. C'était d'obliger le lecteur à se demander pourquoi un livre tel que celui-ci portait ce titre-là et pas un autre. Alors qu'il était question déjà depuis de nombreuses années des communs, au pluriel, calqué sur l'expression anglaise « commons », et on avait tendance, dans certains mouvements sociaux, à reprendre cette expression « des communs » au pluriel. Il y a beaucoup de gens qui parlaient « des biens communs » au pluriel. Nous avons tenu, justement, à faire en sorte que la notion de « commun » au singulier apparaisse dans toute la force de sa nouveauté. Parce que c'est le premier point par lequel je commencerai. Il nous est apparu que ce principe était en effet un principe qui émergeait des luttes, des combats et des mouvements sociaux depuis la fin des années 1990 et le début des années 2000. Nous appelons le commun un principe politique. Christian reviendra sur ce que nous mettons derrière ce terme, mais le principe politique, pour dire les choses de façon très ramassée, c'est le principe de l'autogouvernement. Nous considérons que le principe du commun et aux gens de se gouverner par eux-mêmes. Nous considérons par conséquent que ce principe de l'autogouvernement équivaut au principe de la démocratie. Si par démocratie, nous entendons non pas la démocratie représentative, mais la démocratie au sens le plus radical du terme, précisément le fait que tous les citoyens participent à la gestion des affaires publiques et tranchent ensemble et collectivement toutes les questions qui intéressent la totalité du corps des citoyens. Cette idée-là, pour nous, est très importante, parce que le commun n'est pas pour nous un principe qui viendrait du fond des âges, qui existerait depuis le néolithique ou le paléolithique. C'est un principe qui est nouveau et qui doit être apprécié dans sa nouveauté radicale. Et pour le faire, avant que Christian ne développe le contenu plus précis de ce principe du commun, je commencerai par interroger un terme qui justement contient le mot « commun » en lui, et qui est le terme de communisme. Puisque, même si on a pu l'oublier, dans communisme il y a « commun », et justement c'est le terme de « commun » qui doit être d'abord interrogé, parce que notre idée c'est qu'on ne peut rien comprendre à l'histoire même du communisme si on ne commence pas par revenir à la signification du mot « commun ». On fait comme si, aujourd'hui par exemple, il y avait une entente minimal sur la signification du mot commun. Tout le monde parle du commun, il y a beaucoup de gens qui parlent du communisme, mais en réalité, tout dépend du sens que l'on donne au mot commun, tout dépend de la signification précise que l'on donne au mot commun. Et pour faire apparaître clairement les enjeux politiques, intellectuels, culturels, philosophiques, sociologiques de cette question-là, je distinguerai Je distinguerai, puisque je finirai, moi, par un type de communisme, qui est le communisme de l'État-parti, ou du parti-État, c'est selon, peu importe. Mais je ferai en sorte que le mouvement des communs qui se développe aujourd'hui apparaisse justement dans sa nouveauté et dans son originalité par rapport aux précédentes formes de communisme. Et je commencerai par un premier type de communisme, que j'appellerai le communisme de la communauté. Je ferai en sorte ensuite de traiter le communisme de l'association des producteurs, deuxième type de communisme, et puis ensuite le troisième type de communisme,
le communisme de l'État-parti ou du parti-État. Et ça permettra à Christian ensuite d'enchaîner sur le communisme, ce que l'on pourrait appeler le communisme de l'homme, de façon très profonde, de manière à extirper de l'âme humaine tous les penchants et tous les désirs égoïstes, et notamment la passion d'acquérir toujours plus, la passion d'accumuler, ce que les Grecs appelaient la pléonexia, le désir d'acquérir toujours plus que ce à quoi on a droit. Et ce communisme-là va être très important, dans la mesure où c'est précisément contre ce communisme de la communauté que le communisme de Marx va se constituer, il va se construire. Le génie de Marx, c'est d'avoir opposé le communisme à la communauté, alors qu'à l'origine, le premier communisme est précisément le communisme de la communauté. Mais il faut comprendre ça, il faut comprendre ce premier type de communisme en considérant qu'il s'agit pour ces penseurs-là d'opposer un idéal, qui est donc un idéal spirituel et un idéal moral, à la société telle qu'elle se développe, la société industrielle, la société capitaliste, telle qu'elle se développe sous leurs yeux en 1840 et dans les années qui suivent 1840. Et ce premier type de communisme, c'est un communisme qui tend à privilégier l'unité au point que la question de la place de l'individu devient problématique. La question de fond qui est posée, quand on lit les ouvrages de ces gens-là, c'est la question de savoir quelle est la place de l'individualité. Et en effet, l'unité, l'exigence d'unité en tout, Théodore des Amis dit, le communisme de la communauté, c'est l'exigence de l'unité en tout. L'unité dans le langage, l'unité dans le mode de vie, l'unité dans la consommation, l'unité dans la production. Donc ce n'est pas simplement les repas pris en commun. Il y a une référence qui est très fréquente aux repas pris en commun à Sparte et dans la Crète de l'Antiquité. Mais ça n'est pas suffisant. Tout doit être commun, en ce sens que tout doit être un. Le commun du communisme de la communauté se confond avec l'unité. Il y a un deuxième type de communisme que nous connaissons ou que nous croyons connaître peut-être davantage, qui est le communisme de l'association des producteurs. L'association, c'est un terme qui est assez nouveau à l'époque. C'est un terme qui vient des Saint-Simoniens, c'est-à-dire des disciples de Saint-Simon. Saint-Simon, 1810-1820, c'est une œuvre importante qui a exercé une énorme influence, et en particulier une influence sur Marx et Engels, et on peut dire que cette influence-là a été une influence très durable, qui a marqué toute leur pensée, qui a marqué toute leur œuvre. Le mot « association » est un mot qui, dans les années 1840-1850, devient une sorte d'étendard, qui permet, c'est comme un signe de ralliement d'un certain nombre de mouvements, de protestations, de luttes. En 1848, par exemple, lorsqu'il y a la Révolution en France, et en juin 1848 à Paris, avec des barricades qui sont écrasées dans le sang, en juin 1848, le terme d'association est un terme qui revient constamment. Les ouvriers luttent pour l'association. Et donc Marx, qui est très à l'écoute de ce mouvement en faveur des associations, est amené à définir le communisme par cette formule de l'association des producteurs. L'association, ça veut dire que c'est volontaire, ce qui est une manière de dire les gens qui parlent de la communauté en brandissant l'exigence d'unité morale et spirituelle, ce sont des gens qui ne font pas droit à l'exigence que l'association soit réalisée volontairement par les individus. D'où cette idée qu'on a un petit peu oublié que chez Marx, l'association, c'est la libre association des individus. Mais ces individus, dit Marx, sont des producteurs. Et c'est un mot qui a une grande importance, parce qu'il considère que le fondement du communisme de l'association est constitué par la production matérielle. La production telle qu'elle s'effectue dans les grandes usines, dans les grandes entreprises. Et cette production-là a pour effet de concentrer les ouvriers sur un même lieu de travail. Et Marx considère que c'est le capital lui-même qui réalise la première forme d'association, et que par conséquent, les ouvriers doivent continuer, prolonger en quelque sorte cette tendance objective du capitalisme et faire en sorte de s'associer politiquement pour renverser le capitalisme. Mais ce qui est important dans ce deuxième communisme, c'est l'idée qu'il y a un commun qui est produit
objectivement, matériellement et spontanément par le capitalisme lui-même. Faute de quoi, si on ne se réfère pas à ce sol matériel, on verse dans l'utopie, on verse dans l'idéal, on verse dans l'abstraction idéaliste, et par conséquent, on quitte le terrain du matérialisme. Ça, c'est donc le second type de communisme, le communisme de l'association des producteurs. Le troisième type de communisme, sur lequel nous aurons sans doute l'occasion de revenir, est le communisme donc du parti-État ou de l'État-parti. En l'occurrence, il faudrait dire un communisme de parti qui s'est transformé une fois la prise du pouvoir en un communisme d'État, mais je crois que ce serait une façon un petit peu superficielle de voir les choses. Parce qu'en fait, le parti bolchevique en l'occurrence, s'est constitué d'emblée, je dis bien d'emblée, dès l'origine, comme un parti de révolutionnaires professionnels qui s'est calqué sur le modèle de l'ennemi à abattre, la concentration du pouvoir qui était celle de l'État tsariste. Et il fallait construire un parti qui ambitionnait dès l'origine de devenir l'État lui-même. Il y avait en quelque sorte une logique implacable, que j'appellerais la logique du devenir État du parti. Alors, tous les partis ne sont pas des partis d'avant-garde constitués de révolutionnaires professionnels, mais selon le type de pouvoir que l'on veut exercer, on est amené à se modeler sur un certain type de pouvoir. Si on veut prendre le gouvernement à la tête de l'État, on va constituer un parti de gouvernement et on va constituer un cabinet, on va constituer un gouvernement fantôme, comme on dit en anglais, pour exercer ensuite le pouvoir. Et si on veut constituer un parti qui exerce le pouvoir à la tête de l'État en changeant complètement l'État, à ce moment-là, on va constituer un parti comme Lénine, un parti d'avant-garde, un parti de révolutionnaires professionnels. Le problème, c'est que ce parti a été constitué avec cet objectif et que par conséquent, la priorité devait être donnée à la logique propre qui était celle du parti. Et c'est la raison pour laquelle on pourra revenir sur la révolution, ce qui s'appelle la révolution d'octobre, mais c'est la raison pour laquelle Lénine a tenu absolument, dès le mois de septembre, il a écrit deux lettres, des lettres du 12 et 14 septembre, qui n'ont été connues de la direction du parti bolchevique que le 15 septembre, deux lettres dans lesquelles il pressait les dirigeants de son parti de prendre le pouvoir au nom des soviets, c'est-à-dire des conseils, mais de prendre le pouvoir eux-mêmes en tant que parti bolchevique. Et il me semble que justement, le vice de ce communisme-là, c'est le fait de considérer que le pouvoir devait être pris par le parti au nom des soviets et non par les soviets eux-mêmes. Le problème du communisme du parti-État ou de l'État-parti, c'est que précisément, il était nourri par une défiance profonde à l'égard de toutes les formes d'auto-organisation autonome. Et les soviets, les conseils, étaient des formes d'organisation autonome. Et il y avait à cet égard, de la part de Lénine, une certaine forme de méfiance, plus que ça, même dans certains moments, à l'égard des soviets qui étaient nés en 1905. Les bolcheviques ont été, en février, surpris, comme tous les autres partis, par la réapparition des soviets. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention à utiliser ce mot « soviet », qui signifie encore une fois « conseil », dans son sens propre de forme d'organisation démocratique des soldats, des ouvriers, des paysans. Et enfin, donc j'en arrive à ce qui va me fournir la transition toute prête pour Christian, c'est-à-dire à ce que nous considérons comme le communisme des communs. Le communisme des communs, qui n'est pas une forme donc parmi d'autres qui succéderait aux trois formes dont j'ai parlé, mais qui renouvelle complètement le sens du mot commun, parce que, c'est là le fond du problème pour nous, dans commun, il y a quelque chose de très important. Le mot vient du latin. Lénine, d'ailleurs, le rappelle en 1920, dans un discours qu'il fait devant l'Union des jeunesses communistes de Moscou. Et il dit, ou plutôt je crois que c'est le congrès national qui se tient à Moscou, il dit « communiste, ça vient de communis », qui est un mot latin, qui signifie « commun ». Et il ajoute à ce moment-là « la société communiste est une société où tout est commun. La terre, les moyens de production et le travail lui-même ». Ça, c'est la définition qu'il donne du communisme. Mais si l'on revient à l'étymologie latine, pour ne pas faire de l'étymologie un argument d'autorité, à ce moment-là, il faut s'apercevoir que communis, ça vient de cum,
qui signifie avec au sens fort de ensemble, et puis munus, qui signifie en latin l'obligation. Le commun, c'est la co-obligation. C'est l'obligation qui s'impose à tous. Mais l'obligation qui s'impose à tous, dans la mesure où tous participent à l'activité de délibération, à l'activité de prise de décision, à l'activité d'exécution de la décision. Le principe du commun, justement, pour nous, c'est le principe de l'auto-gouvernement qui a été affirmé avec force dans certains mouvements. C'est donc le principe de la démocratie radicale. Et ce principe de la démocratie radicale est absolument incompatible, dans son fondement même, avec toute capture, avec toute confiscation du commun par l'État. Le commun, pour nous, apparaît comme le principe d'une alternative à l'État et au marché, précisément parce que ce qui est commun n'appartient à personne. Ce qui est commun est donc, en ce sens-là, inappropriable. Ce qui est commun doit échapper à l'appropriation, quelle qu'elle soit, appropriation privée ou appropriation étatique. Alors, bon, então passamos ao professor Christian Laval. Obrigado. Oui, merci aux organisateurs, merci à Christian et Laura de bien vouloir évidemment discuter, présenter et discuter nos travaux, et pas seulement la publication de commun, mais également l'année dernière, la publication de La Nouvelle Raison du Monde. Alors, le nouveau livre commun est un ouvrage qui, évidemment, ne fait pas dans la facilité, ne fait pas dans le pamphlet, est un travail qui, pour nous, est indispensable pour la gauche, qui est un travail d'interrogation sur son histoire. De la même façon que nous avons estimé qu'il était de la plus grande importance politique de savoir ce que l'on entendait par néolibéralisme, qui n'est pas un slogan, qui n'est pas un mot d'ordre, qui est une réalité historique, et bien de la même façon, il nous a semblé qu'il fallait interroger radicalement, jusqu'au fond, ce que l'on entendait par commun. Il est quand même étonnant que dans l'histoire de la gauche et dans l'histoire du communisme, le terme de commun ait été si peu examiné. Nombre de gens, de militants, se sont réclamés du communisme sans jamais aller voir d'où venait ce terme, ce qu'il contenait, quelle signification il avait. Et quand Pierre a rappelé le discours de Lénine du 20 octobre 1920, on a un bon exemple de la limite de pensée de ces communistes qui n'avaient à dire que commun, ça venait de communiste qui voulait dire commun. C'était ne rien dire, en réalité. C'était plutôt une façon de dire que l'État, le parti et l'État, détenaient en quelque sorte un monopole de la signification de ce qu'on entendait par commun. Pour nous, les événements qui se sont produits depuis une vingtaine d'années, les formes de lutte, les mobilisations, les expérimentations sociales et économiques, qui ont remis en scène le terme de commun d'une façon qu'on va examiner ensemble, donne l'occasion, impose même l'impératif d'interroger au fond ce que veut dire commun. Pierre a rappelé que nous avons une indication étymologique extrêmement importante dans la formation même du mot cum munus. Cum munus renvoie effectivement à l'idée d'une réciprocité dans le registre politique. Nous sommes tous les obligés les uns des autres à partir du moment où nous participons activement à la délibération et à la décision. Certes, c'est un mot latin, mais on peut en faire la généalogie philosophique et historique
avec la démocratie grecque, avec l'invention finalement d'une mise en commun telle qu'Aristote a pu la définir. La cité, dit-il, est avant tout une mise en commun des idées, des efforts, des énergies. La démocratie n'est rien d'autre en réalité que l'organisation d'une mise en commun. Les hommes, dit-il, ne vivent pas comme des animaux dans une prairie et en train de brouter. Ce n'est pas ça la coexistence humaine. La coexistence humaine, pour lui, est un agir commun. Nous vivons en commun parce que nous agissons en commun. Disons que c'est la même chose. Et c'est cela qui donne forme à la cité. Il y a donc, comme disait Marx, d'ailleurs lui-même, qui avait été un fin lecteur d'Aristote, il y a en quelque sorte un secret des constitutions. Ce secret des constitutions humaines, c'est précisément l'organisation démocratique de la mise en commun. Alors vous me direz, effectivement, il n'y a pas d'histoire continue du commun. Il y a plutôt des ruptures dans l'histoire, ou plus exactement, des moments, des périodes extrêmement longues de confiscation, de captation du commun par les religions qui entendent, en particulier le christianisme, qui a entendu détenir une sorte de monopole du bien commun, mais aussi des États qui ont précisément fait du commun, sous la forme de l'intérêt général, leur bien propre. Paradoxe, évidemment, et contradiction dans les termes eux-mêmes, comment un État peut-il prétendre détenir en propre le commun. Et jusqu'aux révolutionnaires bolcheviques qui ne se sont pas privés de reconduire, de prolonger en réalité et même de radicaliser à certains égards cette façon de capter, de capturer le commun, c'est-à-dire en réalité de trahir le principe démocratique fondamental qui est celui de l'autogouvernement des sociétés par elles-mêmes. Alors le nouveau dans le commun, dans le principe du commun, où le voit-on? Eh bien, je crois qu'on le voit d'abord au fait que les mouvements sociaux, les mobilisations, les luttes démocratiques de ces 10 ou 15 dernières années ont laissé derrière nous tout ce qui ici semble se commémorer. C'en est terminé, il faut que la gauche et les intellectuels s'en rendent compte. Ce que la gauche a jusqu'à présent prolongé, cette histoire du parti révolutionnaire d'avant-garde, cette façon de penser la révolution comme prise du pouvoir ou comme quête d'État, ces catégories de pensée et d'action qui ont été celles de la gauche, et pas seulement de la gauche marxiste, tout cela est désormais épuisé. Et ce n'est pas ici nous qui le disons, ce sont les mouvements eux-mêmes qui sont à cet égard éloquents, qui ont des mouvements, des expérimentations qui ont un lexique nouveau, qui inventent des concepts renouvelés. Notre démarche, au fond, a suivi une sorte de consigne méthodologique de Michel Foucault, auteur qui nous est particulièrement cher. Michel Foucault disait, au fond, ce ne sont pas les intellectuels qui inventent les concepts, ce sont les luttes, et nous ajouterons, nous, les pratiques, ce sont les luttes et les pratiques qui inventent les concepts. Et il faut renvoyer, retourner au mouvement ces mêmes concepts, et c'est le travail des intellectuels. Il n'est donc pas question d'inventer un principe sorti de je ne sais quel cerveau. Il s'agit de faire attention à ce que les expérimentateurs et les praticiens, les gens engagés dans les luttes, disent. Et depuis la fin des années 90, ce qui est extrêmement frappant,
tout cas, il faut avoir l'oreille attentive. Ce qui est extrêmement frappant, c'est la terminologie nouvelle qui est utilisée et qui renvoie pratiquement systématiquement au terme de « commun » au pluriel, parfois de « bien commun », et qui désigne d'abord et avant tout ce qui est à protéger, ce qui est à défendre de l'emprise du capitalisme, des formes d'appropriation, des logiques de la propriété qui se sont étendues, renforcées sur les ressources, sur les espaces publics, les espaces urbains en particulier, mais aussi sur les connaissances. La revendication contenue dans cette terminologie consiste à dire qu'il y a des domaines, des espaces, des formes de vie qui doivent être défendus, protégés, entretenus contre l'appropriation capitaliste. Mais il serait évidemment trop superficiel de penser que l'émergence de cette thématique des communs est seulement une thématique de résistance, d'opposition. Ce qui nous a particulièrement frappé, c'est que dans cette terminologie, dans ce nouveau lexique des communs, il y a en même temps le dessin, la forme d'une autre société, d'un autre monde, comme disent les altermondialistes. Un autre monde que nous pouvons identifier comme la société du commun. Une société dans laquelle le principe du commun, c'est-à-dire le principe de l'autogouvernement, serait le principe actif, comme il est déjà le principe actif des luttes et des expérimentations qui se mènent un peu partout dans le monde. Le principe du commun, au fond, c'est un principe que l'on peut dériver, que l'on peut dégager à la fois des luttes, mais aussi des discours savants qui servent de référence à ce mouvement des communs. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec le champ habituel de la gauche. Ce n'est pas dans les ressources habituelles des théories critiques que les mouvements ont été puisés. C'est plutôt dans le domaine de la recherche très académique qui s'est déroulée aux États-Unis dans les recherches d'une Elinor Ostrom, qui est une chercheuse états-unienne qui a travaillé sur la gestion collective de ressources naturelles et puis ensuite des productions d'informations et de communication. Cette chercheuse a mis en avant l'idée, pour nous très importante, que les communs, les commons, étaient avant tout une affaire d'institution, une affaire de règles collectives. Et c'est pourquoi il nous a semblé que cette référence-là, quoique limitée, quoique partielle et contestable, avait quelque chose d'extrêmement intéressant. Cette référence indiquait que est commun non pas ce qui serait naturellement commun, l'air, l'eau, etc., selon une vieille tradition du droit romain, des choses communes, prolongée par la science économique la plus académique, la plus traditionnelle, la plus classique, est commun ce qu'une collectivité, ce qu'un groupe, et donc aussi ce qu'une société, décide collectivement de mettre en commun, décide démocratiquement de mettre en commun, décide démocratiquement de gérer en commun. Et
la référence, je dirais un peu obsédante, à cette thématique des communs, des commons en anglais, mais des communs en français, peut-être sûrement dans toutes les langues, mais aussi en Italie avec l'expression « beni comuni », cette référence, en fait, nous indique que on est en train de redéfinir à travers cela ce que peut être une révolution. Le principe du commun, comme principe méta-institutionnel en quelque sorte, est un principe qui consiste à dire qu'une société est absolument libre de décider de mettre en commun des ressources, des connaissances, des richesses, des efforts, des idées pour organiser l'existence collective de façon différente de celle que propose le néolibéralisme, c'est-à-dire une logique avant tout de propriété privée, de concurrence et de profit. Ce qui se dessine dans le mouvement des communs, c'est un communisme nouveau, un communisme donc qui est fondé sur l'idée que des collectivités limitées, restreintes en nombre, mais aussi des pays, des communes, des municipalités, comme ça se passe par exemple en Espagne, à Barcelone, ont le droit, ont le pouvoir de mettre en commun et d'organiser démocratiquement cette mise en commun. Un commun dans ce sens, un commun, ce n'est pas donc une chose, ce n'est pas non plus un espace ou une connaissance, c'est d'abord et avant tout une institution. C'est d'abord et avant tout un espace institutionnel qui est défini par une activité collective et qui peut prendre des formes différentes, des dimensions différentes. On peut, par exemple, comme en Italie, considérer qu'un théâtre, je pense au Teatro Valle de Rome, un des plus vieux théâtres romains, peut être institué comme un commun à partir du moment où un collectif, en l'occurrence un collectif d'artistes, prend en charge ce théâtre et y développe des activités. Cela s'est reproduit avec des centres sociaux, cela s'est reproduit à Naples avec l'organisation d'un espace, l'asilo, dans lequel des artistes et des citoyens peuvent y déployer des activités librement organisées et collectivement gérées. Un commun, donc, c'est quelque chose qui peut concerner de multiples choses, des coopératives de production, des espaces artistiques, des espaces publics. Et c'est par exemple ce que l'on rencontre aussi dans les mobilisations. Pierre a évoqué le mouvement des places à partir de 2010. Ce qui est très frappant dans ce grand mouvement qui a tourné sur la planète d'occupation des places, c'est que ces mouvements ont défini la place, ont redéfini la place comme un espace institutionnel qui était en quelque sorte la métaphore de ce que pouvait être et devait être la société tout entière. On a bien vu cela, par exemple, à Paris, même si c'était dans un temps limité, dans l'occupation de la place de la République au centre de Paris. L'occupation de cette place, au fond, avait comme valeur et comme importance le fait qu'un collectif qui occupait cette place entendait redéfinir les règles de fonctionnement de l'occupation et entendait donc redistribuer la parole, redistribuer la composition même des commissions, etc. Nous étions au plus loin de ce que, auparavant, on entendait par
mouvement, mobilisation, sous la direction d'un parti, sous la direction d'une organisation de révolutionnaires professionnels. Nous étions donc dans ces mouvements-là, nous sommes dans des processus d'auto-organisation et mieux encore d'auto-gouvernement. Et donc c'est pour nous quelque chose qui mérite d'être souligné, c'est je crois l'idée selon laquelle nous retrouvons le sens du mot révolution. Révolution, ce n'est pas la prise du pouvoir par un groupe organisé. Ce n'est pas le coup de force du 25 octobre 1917. La révolution est faite par une société qui entend refonder ses institutions, qui entend réinstituer la société. Une société cherche à se refonder elle-même. Elle agit sur elle-même pour refonder ses institutions fondamentales. Mais cela signifie que la révolution, elle commence dès que des acteurs, aussi peu nombreux soient-ils, réinstituent leur activité. Et là, ça nous renvoie à quelque chose de très important qui est la capacité instituante des sociétés. Ce qu'est un mouvement social, ce qu'est une action collective, en son fond, c'est l'expression, la manifestation, la réalisation d'une capacité instituante. La révolution, nous avons appelé la révolution du XXIe siècle, c'est le fait de retrouver dans toutes les sociétés du monde cette capacité d'auto-institution des sociétés, selon une formule qui avait été celle du philosophe Castoriadis, mais qui avait été aussi celle d'un autre philosophe français, Maurice Merleau-Ponty, qui parlait de réinstitution de la société. Voilà pour nous ce qu'est le principe du commun, principe démocratique par excellence, mais dans principe démocratique par excellence, il faut entendre aussi capacité révolutionnaire d'une société à se changer elle-même. Voilà, je vous remercie. Professor Christian Duque. Queria agradecer as palavras Dardot, Laval. Queria agradecer a Boitempo, o SESC, o trabalho da Ivana, do Kim, de todos esses que batalharam durante essa semana inteira para que esse evento comum pudesse acontecer. E no nosso aquecimento, a Laura comentava que o livro do Laval e Dardot sobre a nova razão do mundo tinha chegado num momento muito oportuno da realidade brasileira. Ele, de certa forma, nos fornecia elementos para pensar o golpe que estava em curso. Esse novo trabalho, ele, de certa forma, também chega num momento novo, momento de reconstrução da esquerda, de reinvenção do país, de colocação de novos horizontes, com uma ideia relativamente simples, e as ideias poderosas elas têm essa qualidade, né, da simplicidade. Né? Em primeiro lugar, eu queria destacar a força dessa ideia, porque ela nos permite desmontar uma certa equação neoliberal, vou chamar assim, na qual nós estamos, vamos dizer, ingressando. Essa equação ela é uma equação popular no Brasil, é uma equação que tem uma retórica pujante no Brasil. Ela está baseada numa associação muito direta entre o Estado e o universo público. O que é público é estatal. O que é estatal é cuidar do público. E, correlativamente, a gente é levado a associar, então, o privado com o mercado.
Uma vez feita essa ligação, aí nos é proposta a pergunta: o que você prefere, o Estado ou o mercado? O Estado faz mal, o Estado administra mal, o público, o Estado, enfim, ele não dá conta do que ele deveria, enquanto que o mercado, bom, tem suas leis, tem sua eficácia, etc. E assim, os incautos, inclusive muita gente qualificada, compra esses termos do problema. O primeiro gesto fundamental do livro que a gente está discutindo é desativar essa conexão entre o Estado e o público. E, em segundo lugar, desativar esse binarismo entre o público e o privado. Quer dizer, há um público que não é estatal. Isso a gente precisaria repetir. Há uma experiência do público que não concerne ao Estado, não precisa concernir o Estado, e não deve concernir o Estado. Essa é a experiência do comum. E, indiretamente, esse é o segundo movimento do trabalho, se infiltra aqui uma crítica, uma autocrítica, a toda uma tradição da esquerda que consistiu em... vamos dizer assim, em nome da derrubada do capitalismo, transformar o nosso objetivo no apossamento do Estado. Ser de esquerda era conseguir se apossar do Estado, era conseguir constituir um partido suficientemente forte para tomar posse do Estado. E, a partir disso, fazer o Estado, usar o Estado para fazer o bem. A crítica que a gente tem aqui nesse trabalho, ela é extremamente radical, porque ela toca num segundo ponto dessa equação, que é perguntar assim, o que é a experiência de possuir? O que é a experiência de ter? O que é a experiência de se apossar de? Que estava dentro desse projeto de, bom, vamos tomar posse do Estado, sem nos perguntarmos antes o que significa possuir. Essa ideia extremamente crítica e de pujância ou ressonância com a psicanálise. Lamento um pouco que, na Nova Razão do Mundo, Lacan, Freud eram vamos dizer assim, interlocutores, mas elas estão assim, indiretos, estão indiretamente representados aqui no comum. Mas dá para entender perfeitamente esse movimento. Porque, no fundo, a psicanálise também vai se interessar por essa experiência dos limites do que significa possuir. Possuir um corpo, possuir a si mesmo, possuir um desejo. Quer dizer, um conjunto de falsos problemas que a gente se coloca quando compramos um entendimento intuitivo, um entendimento legalista ou contratualista do que significa ter. Então, o retorno ao comum que a gente tem aqui é um retorno sem a fetichização das comunidades orgânicas. Porque você fala, vamos retornar ao comum, o que a gente pensa? Vamos retornar à família, vamos retornar às nossas unidades de relação assim, espontâneas. Então, não é nada disso. O que a gente tem aqui, melhor tradição de Engels, é uma crítica da família. Justamente uma crítica da família como dispositivo de herança. A segunda ideia que a gente tem quando vamos falar em voltar ao comum é voltar a fortalecimento das instituições, seja lá o partido, o Estado. Vamos voltar ao comum, que é aquele que se representa na lei, na defesa da lei. Bom, contra isso, o comum que nos é apresentado aqui é um comum que não é regressivo, que não é o comum já dado. É aquele que a gente já tem de graça, porque nascemos na família, estamos num determinado sistema de vigência da lei. É um comum como uma praxis instituinte. É um comum como uma experiência que está em curso, mas que não está sendo suficientemente reconhecida como tal. Isso coloca o processo, vamos dizer, de transformação numa outra chave. Não é assim, um dia a revolução vai começar. Um dia, enfim, quando houver as condições objetivas ou subjetivas, aí o jogo começa. Não, ele já começou, mas a gente não consegue se aperceber, localizar, reconhecer propriamente onde é que ele está sendo jogado. A terceira desativação diz respeito à recusa do comum como unidade do mercado, como falso universal.
Vamos lembrar aqui que o mercado comum foi o embrião da União Europeia. Né? A ideia de que a expansão, né, das nossas trocas comerciais, ela precisa de um comum. Né? Qual é a crítica aqui? E esse é o falso comum. Esse é um comum, vamos dizer assim, que é necessário para uma certa organização da produção e do capital. Né? Bom, o que eu gostaria assim, de salientar é que é um livro extremamente atual, porque ele é uma espécie de segundo passo, de segundo momento. Né? Eu, pelo menos, recebi assim. Para aqueles que são leitores do Alain Badiou, da Hipótese Comunista, né? Esse é um livro que poderia ser traduzido assim como A Tese Comunista. Né? Tem a hipótese e tem a tese. E a tese está aqui. Né? A tese envolve uma reinvenção do comum. Um segundo sentido pelo qual esse é um trabalho que faz, que dá seguimento a uma experiência, é lê-lo como, e aí vai uma pergunta para vocês, se vocês entendem que é pertinente isso, que é um livro que ele responde a uma experiência brasileira também, né, mas global, que é a experiência da ocupação. Né? Quer dizer, que a gente ocupa escolas, a gente ocupa praças, a gente ocupa asilos, mas e depois que a gente ocupa, o que a gente faz? Né? É bom ocupar, ocupar é um gesto que institui um corte, mas o que acontece depois da ocupação? Né? Me parece que é um livro que diz e sugere o seguinte, depois da ocupação vem a invenção do comum. Depois da ocupação vem como a gente ingressa num determinado processo de comum. É um livro, o Laval estava colocando, né, um livro que segue uma tradição de debate com o Foucault. Né? Em relação ao Foucault, eu diria assim, tem uma formulação que eu gosto muito, que está na hermenêutica do sujeito, ele diz assim, toda resistência começa como na relação a si. Né? E uma das definições aqui trazidas para a ideia de comum é o autogoverno. Né? Então, a gente poderia pensar, então o que está sendo proposto é também um autogoverno de si. E aqui a ideia ela funciona bem, eu achei, porque, no fundo, o comum é justamente a invenção de uma relação a si mais além do indivíduo, mais além da forma indivíduo. Tá? Iria, então, para duas perguntas, né, a partir disso, e que diz respeito a uma recepção que eu achei bastante assim, injusta, né, desse trabalho, que é uma recepção que a gente vai encontrar no Tony Negri. Né. Tony Negri argumenta que é um trabalho assim, idealista, é um trabalho que ele, num dado momento, ele usa uma expressão que é assim, ele enaltece demais o sofrimento. E quando eu li isso, eu falei, mas ele está completamente errado. Ele está completamente errado, porque ele está desconhecendo que o sofrimento é justamente uma fronteira do capital. O sofrimento é uma forma do capital inventada ou apropriada, né, ou parte da nossa da definição possível que a gente poderia ter para o neoliberalismo. Enquanto o liberalismo entendia o sofrimento como obstáculo à produção, o neoliberalismo inventou uma forma de tirar mais do sofrimento, de produzir sofrimento para produzir mais. Então, eu queria ouvir a resposta, o comentário de vocês sobre essa crítica do Tony Negri, com particular atenção a esse tema que me interessa muito, que chama a conversa de vocês para a psicanálise. Vocês têm um público leitor dos trabalhos de vocês na psicanálise brasileira. Né? O que vocês teriam a dizer a mais sobre o sofrimento como potência de transformação política? Né? Não só como comunidade fraterna, como ponto de solidariedade entre as pessoas, mas como o sofrimento pode ser um elemento, uma alavanca, né, para a instituição do comum. Né? Em que condições isso pode se dar? Né? Minha última colocação diz respeito assim, a um horizonte assim, novo que fica sugerido, não muito desenvolvido no trabalho, mas que me parece absolutamente assim, contemporâneo com a discussão brasileira, que diz respeito a
outra retórica importante para a representação social da esquerda. Né? Diz-se no Brasil que a esquerda odeia o dinheiro. Né? Tudo que diz respeito a dinheiro, né, a riqueza, é algo que a esquerda não deve se meter. A circulação do dinheiro, a organização de produção, isso tudo, vamos dizer assim, é algo da ordem do impuro. Né? E me parece que a ideia do comum ela é um avanço em relação a essa posição, vamos dizer assim, um pouco arcaica, um pouco conservadora e decorrente, né, dessa associação entre o Estado e o público, o privado e o mercado. Então, queria agradecer esse conjunto de provocações, temas, né? Se vocês quiserem colocar a respeito, vou ficar bastante contente. Obrigado. Bom, eu tenho aqui a difícil missão de selecionar algumas perguntas para os professores. Eu, enfim, peguei aqui os temas que eu acho que apareceram de forma mais frequente. Para minha sorte, algumas perguntas feitas pelo Christian estavam aqui, então, relacionadas, por exemplo, a diferença entre o individual do Foucault e o comum, enfim, essas coisas já tinham aparecido. Mas eu acho que tem um conjunto de perguntas aqui que questiona a possibilidade de, através desse tipo de revolução do comum, de realmente se reduzir desigualdades materiais e superar, né, lidar com desigualdades históricas. E aí eu acho que as perguntas vão tanto no sentido de como evitar que a lógica do capital ela contamine o comum, né? Como evitar que o comum, na verdade, represente apenas subjetividades que têm a lógica do capital dentro da sua forma de atuação, quanto a própria necessidade... Como conciliar, enfim, como comum contradiz a ideia de uma necessidade de luta de classes para realizar a superação dessas desigualdades, porque, no fundo, o comum ele estaria negando a própria ideia de classe na forma como é pensado. Né? Então, isso é um conjunto de perguntas, eu acho. Tem um outro conjunto de perguntas que tem a ver com, no caso brasileiro, está relacionado com esse primeiro grupo de perguntas, mas o fato da gente ter uma sociedade tão heterogênea, então desigualdades tão profundas, como isso afetaria a possibilidade de construção do comum. E, por fim, aí tem algumas perguntas sobre o que se enquadraria ou não nessa ideia de comum dentro das experiências históricas vividas. Então, tem duas perguntas aqui sobre qual a conexão entre o comum e a experiência dos zapatistas no México. Tem uma outra pergunta que questiona se o movimento Occupy Wall Street, enquanto um movimento que não tem base também organizada em partidos, etc., se isso estaria enquadrado, seria considerado revolucionário, de acordo com a teoria do comum. E, por fim, há uma pergunta que... pergunta, na verdade, que tenta criar um paralelo ou saber quais são as diferenças entre esse tipo de ideia de revolução e as ideias anarquistas. Então... deixo essas perguntas aí. Obrigado. Vamos voltar na mesma ordem. Pierre, você é o primeiro. Ou é de repondre, né? Merci pour les questions, ça fait beaucoup.
mais je crois que ce sont des questions qui sont assez importantes. Alors la première, c'était posée en forme de provocation sympathique, mais c'est une question qui doit être prise au sérieux, qui est la question de notre rapport à Negri, ou plutôt la question du rapport que Negri entretient avec nous, qui est une question assez difficile, dans la mesure où il a fait en effet une critique du livre dans le manifesto, qui était une critique assez féroce, sous-tendue par l'idée que la démarche des auteurs de Commun, c'est-à-dire de Christian et de moi, était une démarche idéaliste. Je mets de côté pour l'instant la question de la souffrance, j'y répondrai dans un second temps. Mais il y a ici un problème concernant l'utilisation de la notion d'idéalisme, parce que chez Negri, cette utilisation polémique de la notion d'idéalisme renvoie à ce qu'il comprend de Marx, c'est-à-dire à l'opposition du matérialisme et de l'idéalisme. Et je pense qu'en effet, chez Negri, il y a une réactivation du schéma de Marx selon lequel le commun est donné dans la production capitaliste et que par conséquent, il faut s'appuyer sur ce commun qui est déjà donné dans la production matérielle du capital pour pousser au-delà des limites du capital. Que ça, c'est la démarche marxiste classique et que cette démarche me semble justement... Je ne dirais pas qu'elle est matérialiste, je dirais que tout simplement, elle porte à faux complètement aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de production matérielle du commun par le capital. Il y a au contraire une destruction de toute forme de commun par le capital. Et donc il est complètement illusoire de vouloir s'appuyer sur une pseudo-dynamique objective, comme s'il suffisait de chevaucher ce que le capital faisait pour ensuite essayer de déborder. C'est une stratégie qui est vouée complètement à l'impasse. Et donc, sur cette question de l'idéalisme, je réponds de cette façon-là. Non, notre propos n'a pas été d'opposer le matérialisme à l'idéalisme. Notre propos a été de montrer que le commun devait être institué et qu'il n'était pas déjà produit. Et cette différence-là, entre Negri et nous, c'est une différence donc, qui se joue sur l'opposition entre deux concepts, le concept de production et le concept d'institution. Quand on parle de production, étymologiquement, ça renvoie au latin, ça signifie que on met au jour ce qui existe déjà. Produire, producere, conduire à la lumière, conduire devant. En revanche, lorsqu'on parle d'institution, on parle de quelque chose de très précis. Et il faut peut-être définir ça, parce que ça a été beaucoup utilisé par Christian, et c'est effectivement un terme que nous utilisons beaucoup, et en particulier le chapitre 10 de l'ouvrage, qui s'appelle « La praxis instituante », nous semble être le chapitre qui est la clé de voûte conceptuelle de tout l'ouvrage. Donc c'est effectivement une notion très importante pour nous. Or, c'est une notion qui a été très peu abordée par les philosophes. Parce que institution, c'est un terme, comment dirais-je, je vis depuis longtemps en France, et dans les années 68, 70, nous étions alors de très jeunes militants gauchistes avec Christian, la notion d'institution était une notion qui était très mal prise. L'institution, c'était la prison, c'était l'hôpital, c'était l'appareil d'État, c'était la police, c'était l'armée. L'institution était donc vue de façon très péjorative, comme l'ennemi à abattre, parce qu'on ne faisait pas attention au fait que dans le mot institution, il y a autre chose, il y a la dimension d'une activité, le fait d'instituer, l'acte d'instituer. Et c'est ça que nous cherchons justement à revaloriser ou à réhabiliter. C'est cette idée que instituer, c'est faire du nouveau avec ce qui existe déjà. C'est très important. C'est une création, donc au sens fort du terme, ça n'est pas une création à partir de rien, comme disent les théologiens, mais c'est une création à partir de ce qui existe déjà. Mais une création à partir de ce qui existe déjà, faire du neuf avec ce qui existe déjà ou à partir de ce qui existe déjà, c'est très ambitieux. C'est certainement beaucoup plus ambitieux que d'essayer de répéter le geste de Dieu lorsqu'il a créé le monde à partir de rien. Et alors là, pour le coup, il faut laisser ça aux idéalistes. Mais ça n'est pas du tout notre propos. C'est l'institution qui nous importe. Ça n'est pas la création ex nihilo. Et de ce point de vue, il faut comprendre que chaque fois que vous avez une collectivité, quelle qu'elle soit, d'acteurs qui prennent la peine de définir en commun des règles pour délimiter un espace à l'intérieur duquel ces règles doivent valoir, on a un acte d'institution. Lorsque vous avez, par conséquent, des gens qui occupent une place et qui donnent à cette place une signification qu'elle n'avait pas parce qu'ils considèrent que
sa véritable signification est politique et que ça doit être le principe d'une réorganisation de tout l'espace urbain, que la ville doit être pensée à partir des places, eh bien, c'est là pour nous une pensée institutionnaliste. Si j'avais à dire quelque chose concernant le communisme des communs, dont Christian a parlé, je dirais que c'est un communisme politique et institutionnel. Alors le problème du communisme, de toutes les variétés de communisme que j'ai énumérées, c'est qu'il y a toujours eu ce point aveugle de l'institution. Le communisme a généralement été anti-politique et anti-institutionnel. Parfois, il a été apolitique et a-institutionnel. Mais il faut qu'il soit politique et institutionnel. Le communisme des communs est un communisme politique et institutionnel, qui rompt de ce point de vue-là avec l'héritage saint-simonien. La gauche actuelle de par le monde est encore tributaire de l'héritage de Saint-Simon, c'est-à-dire l'héritage selon lequel la politique est un mal avec lequel il faut en finir, et l'idéal serait une société dans laquelle la politique n'aurait plus de cours. Il n'y aurait plus de droit, plus de politique, plus d'État, sous prétexte que l'État, la politique et le droit, tout cela va ensemble. Eh bien, ce que nous disons, au contraire, c'est que si on fait attention aux expérimentations en cours aujourd'hui, une société du commun, c'est une société dans laquelle la politique non seulement a encore une place, mais a la première place. Le principe du commun est un principe politique qui doit, de ce point de vue-là, valoir pour toutes les sphères de la société. Donc, nous faisons en sorte que, justement, cette notion du commun permette de réhabiliter l'institution dans le plein sens du terme. Et pour reprendre ce qui a été dit sur l'autogouvernement, en effet, il faut faire attention à cette notion d'autogouvernement. Nous ne sommes pas, donc je répondrai à une question qui a été posée ou à un ensemble de questions, nous ne sommes pas anarchistes. Nous ne sommes pas anarchistes. Alors je sais que c'est très tendance radicale chic de dire « je suis libertaire mais pas anarchiste », mais j'essaierai non pas de céder à cette tentation, mais de dire en quoi nous ne sommes pas anarchistes. Parce que nous parlons de l'auto-gouvernement. Pris dans son sens le plus strict, l'anarchisme implique l'abolition de toute forme de gouvernement. C'est-à-dire la considération que tout gouvernement, quel qu'il soit, est une violence exercée par un homme ou des hommes sur d'autres hommes. Or, précisément, c'est cette idée que nous refusons. Un auto-gouvernement, et ça doit être bien expliqué, n'a pas grand-chose à voir avec un rapport de maîtrise. Vous voyez, la notion de gouvernement et d'auto-gouvernement est une notion qui est assez délicate à manier. Parce que, par exemple, Foucault parle du gouvernement de soi, dans l'herméneutique du sujet, mais il en parle parfois comme si le gouvernement de soi signifiait la maîtrise de soi, au sens de l'éthique grecque classique. Alors, ce n'est pas du tout, ce que nous voulons dire. Le rapport à soi d'une collectivité dans l'autogouvernement, tel que nous le comprenons au sens politique, n'a rien à voir avec un rapport de maîtrise de soi. La société qui se réinvente en se réinstituant n'instaure pas à l'égard d'elle-même un rapport de maîtrise. Et à cet égard, pour répondre toujours sur la question de la psychanalyse, ça me semble être très important, parce que la psychanalyse, dans son fondement même, reconnaît ce point absolument essentiel qui est celui de la part non maîtrisable et par conséquent non appropriable de chacun d'entre nous. Ce qui fait que si on considère que l'idéal ce serait celui d'une maîtrise de soi-même et que le pendant de cette maîtrise de soi de l'individu ce serait une maîtrise de soi de la collectivité, alors à ce moment-là ça n'a rien à voir avec le principe du commun tel que nous le défendons. Le principe du commun suppose la reconnaissance de l'inappropriable à l'échelle de la société comme à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et c'est pour cette raison-là que le commun est l'inappropriable, par excellence. Voilà, je reprendrai après, mais je passe la parole à Christian. Oui, quelques compléments. Merci à Christian de ces questions et merci au public d'avoir posé les autres questions. Negri est un ami, un camarade, et il faut quand même souligner un point quand même important dans l'élaboration de notre livre commun, c'est que c'est le fruit d'un travail
on peut dire collectif avec Negri et ses amis, puisque je les ai invités alors que j'étais directeur de recherche au Collège international de philosophie à Paris, je les ai invités à travailler pendant 2 ou 3 ans sur cette question. Et pourquoi ? Parce que, d'une part, Negri, en toute connaissance de cause, c'est-à-dire sachant nos désaccords profonds qui avaient été exprimés par nous dans un livre qui s'appelle Sauver Marx, premier point d'interrogation, et qui était l'un des premiers livres consacrés entièrement à la théorie de Hart et Negri, il savait donc en toute connaissance de cause que nous n'étions pas d'accord. Mais il a accepté de travailler sur un concept qui lui était cher, celui de commun, et il faut lui reconnaître ce point historique très important, qu'il a été l'un des premiers à employer le concept de commun au singulier dans un sens qui était politique, qui était d'un sens révolutionnaire. Mais précisément, nous en avons une conception très différente que Pierre a rappelée. Bon, ce point est important parce qu'il faut toujours rendre à ceux qui ont été en avant, d'une certaine façon, leur place dans l'histoire des idées. Alors, je voulais insister sur la question de la souffrance que Christian a soulignée. Ça me paraît important parce que la psychanalyse, précisément, identifie dans la souffrance psychique le désir. Et il en est ainsi dans l'espace et dans la scène politique et collective, c'est que les souffrances renvoient toujours à des désirs qui sont trahis, frustrés, opprimés, qui n'arrivent pas à se manifester. Par exemple, nous avons attaché une très grande importance dans la nouvelle raison du monde aux souffrances dans le travail. Et je voulais souligner le fait que ce qui souffre dans le travail, c'est bien souvent précisément que le désir de relation aux autres, le désir de sens du travail, c'est-à-dire ce que le travail peut apporter aux autres, sa dimension de réciprocité, est précisément écrasé par la logique propriétaire et capitaliste. Et si il y a un jour révolution du commun, il faudra bien toujours penser que cette révolution du commun sera portée par des désirs liés précisément aux relations que nous cherchons à établir avec autrui, parce que nous sommes nous-mêmes des êtres de relation. Au fond, le commun n'est pas en dehors de nous. Il tisse nos vies. Il existe parce que nous sommes en relation avec les autres. Sauf que les institutions sociales qui sont dominantes aujourd'hui, aussi bien les institutions étatiques que les institutions capitalistes, précisément nous empêchent de gouverner, d'agir, précisément selon des façons démocratiques, c'est-à-dire qui nous permettent d'agir, d'exprimer nos capacités d'action. Et alors, je voulais aussi relever ce point très important qui a été souligné, c'est que nous dépendons encore aujourd'hui, et toute la gauche dépend, d'une tradition qui est celle de la propriété, de la possession, de l'appropriation. Or, la révolution du commun, telle que nous la pensons, est une révolution radicale qui nous fait sortir des catégories de l'appropriation et de la propriété. Car il ne s'agit pas, en effet, qu'un État s'approprie des biens, il s'agit d'organiser autrement les relations dans l'activité commune. Nous passons, si je puis dire de façon plus schématique, nous passons d'une problématique de l'avoir, qui a, est-ce que c'est le capitaliste ou l'État, à une problématique de l'agir. C'est pour ça que nous utilisons beaucoup cette expression d'agir commun. Ce n'est pas la propriété collective
vous intéresse, c'est l'agir commun. Il ne s'agit pas de, quand on occupe une place, une école, ou un centre social, ou un musée, ou je ne sais quoi, il ne s'agit pas de s'approprier l'espace, il s'agit d'organiser les relations internes et externes autrement. Ce point est tout à fait fondamental, parce que ça implique qu'on abandonne les catégories de pensée et d'action qui ont été celles jusqu'à présent de la gauche, qui a pensé la prise du pouvoir comme possession, et une possession qui allait entraîner une propriété d'État. Donc on restait toujours dans cette idée qu'il y avait un sujet qui devait se rendre maître d'un certain nombre de biens, de domaines, etc. C'est ainsi que Lénine pouvait parler de commun. Il s'agissait en réalité pour l'État de prendre possession d'un certain nombre de choses qui avant étaient possession du capital. On a vu ce que ça a donné dans l'histoire. Pour ce qui est des inégalités, la question est extrêmement importante. Mais il faut bien se rendre compte que la réduction des inégalités, elle passe précisément par l'organisation d'une mise en commun. Le commun, pour nous, n'est pas simplement un principe qui s'appliquerait à des microcosmes, à des expérimentations particulières. C'est un principe d'organisation de la société. Ce qui veut dire qu'il faut repenser à nouveau frais ce qui existe déjà, plus ou moins. Dans les sociétés européennes, ont été mis en place des dispositifs de l'État social. Protection de la santé, éducation publique, système de retraite, droit du travail. L'ensemble de ces droits sociaux constitue déjà une mise en commun. Et à certains égards, le travail, si je puis dire, a déjà commencé. Cette mise en commun est le fruit de luttes. Ce ne sont pas des philanthropes qui ont distribué ces droits du haut. C'est le résultat des luttes ouvrières et des luttes sociales. La question est donc de savoir comment réorganiser, refonder, réinstituer ces mises en commun qui existent déjà. Les services publics, ce qu'on entend par service public, précisément, ne sont pas d'abord des services de souveraineté. Ce ne sont pas des services qui sont la propriété de l'État. Ce sont des services qui sont le fruit d'une mise en commun de richesses, organisées pour satisfaire un certain nombre de besoins collectifs. Ce que l'État néolibéral démontre, c'est que précisément la logique de propriété d'État conduit très facilement à la destruction de ces services publics, à la destruction de la protection sociale, précisément parce que c'est l'État qui s'en est rendu propriétaire en dépossédant ceux qui mettaient en commun les richesses pour satisfaire les besoins collectifs ou pour redistribuer la part de richesse, pour égaliser les conditions. Donc, en réalité, le principe du commun est un principe qui vise à réinstituer et à refonder et à élargir et prolonger les services publics et la protection sociale, et donc à réduire les inégalités dans les sociétés. Enfin, les expérimentations historiques qui ont été évoquées, le Mexique, des apatistes, ou les occupations, etc., sont évidemment extrêmement importantes pour nous, parce qu'elles elles montrent que, précisément, on peut sortir, plus ou moins, des modèles qui sont évoqué dans ce séminaire du modèle du parti d'avant-garde et de l'État tout-puissant. Et en ce sens, je crois que notre tâche, c'est de regarder
partout, dans toutes ces expérimentations depuis plusieurs décennies, ce qui compose, ce qui est en train de composer, si je puis dire, le tableau du communisme des communs. Car ce communisme des communs n'est pas une doctrine toute faite qu'il faudrait appliquer avec un mode d'emploi. C'est évidemment un processus qui est en train de se constituer à partir des expérimentations historiques qui ont été évoquées avec toutes leurs limites, quelles qu'elles soient, parce qu'évidemment, les limites sont assez évidentes. Je pense par exemple au mouvement d'occupation des places, en l'occurrence. Rapidement, parce que j'ai oublié deux choses, et en entendant Christian, je me suis dit, ah, il faut absolument que je le dise. La première concerne la question de la réduction des inégalités matérielles, qui est une question très importante. Christian a fait référence à l'État social. Il y a une question, je suppose, comme au Brésil, comme en France, comme dans d'autres pays, qui généralement retient beaucoup l'intérêt, c'est la question de l'impôt, la question de la fiscalité. Mais il faut comprendre à cet égard que la contre-révolution néolibérale, parce qu'il faut l'appeler comme ça, a eu pour effet de vider la notion d'impôt de son sens politique originel. Si vous vous référez à la déclaration des droits de la Révolution française, l'impôt apparaît comme étant une contribution commune. L'impôt est un commun, contribution commune. Et dans les rédactions les plus avancées des constitutions et des déclarations des droits de la Révolution française, il est dit que c'est un droit fondamental et inaliénable de tout citoyen que de participer à la détermination du montant de l'impôt, à sa répartition, à sa destination et au contrôle de cette destination. Vous voyez que ça va très loin. Donc il ne s'agit pas de dire « Ah, à partir du moment où je paye mon impôt, je suis citoyen et ceux qui ne payent pas leurs impôts correctement ne sont pas vraiment des citoyens ». Non, le véritable citoyen, c'est celui qui participe à l'élaboration de l'assiette des impôts, à la répartition de l'impôt, au contrôle de sa destination, et par conséquent, c'est un droit qui est politiquement très actif, au contraire de ce que suggère précisément le néolibéralisme, parce que le néolibéralisme fait que l'impôt apparaît comme étant un retranchement de la propriété particulière de chacun. Vous voyez ? Ça, c'est dans la Révolution française un débat qui a eu lieu, Sieyès et d'autres, étaient des gens qui considéraient que l'impôt, c'était une sorte de retranchement, une sorte de soustraction. Ils pensaient l'impôt de manière négative. Le néolibéralisme a tout fait pour réhabiliter cette conception négative de l'impôt. Et il importe précisément, avec la logique du commun, de réhabiliter la conception positive. Il y a une contribution commune, mais il n'y a pas de contribution commune sans participation commune. Mais c'est exactement le principe du commun. Et le deuxième point, c'est sur la question de la lutte des classes, puisqu'il a été question de savoir si le commun n'était pas opposé ou ne contredisait pas la lutte des classes. Alors, il s'agit de s'entendre sur la signification de l'expression. Si vous comprenez par là qu'il y a des classes qui sont toutes constituées dans les rapports de production, qui se font face comme deux armées, la question étant de savoir quelle est celle qui va remporter la victoire sur l'autre, alors à ce moment-là, je pense que le principe du commun est assez difficile à concilier avec cette conception-là. En revanche, si, comme c'est le cas dans un certain nombre de textes de Marx, et en particulier dans les textes politiques, la lutte des classes en France, le 18 Brumaire, etc., ou le fameux texte sur la Commune de Paris, si vous pensez que les acteurs de la lutte se constituent dans la lutte et par la lutte, qu'ils ne préexistent pas à la lutte, mais qu'ils sont le résultat de la lutte, qu'ils sont le résultat de l'engagement dans un conflit, à ce moment-là, je considère que cette conception, non seulement est tout à fait compatible avec le principe du commun, mais que le principe du commun implique, d'un certain point de vue, la reconnaissance de cette conflictualité. Il faut dire ici que pour nous, le principe du commun n'est pas le principe d'un consensus. Le principe du commun est un principe de conflictualité. Précisément, l'une des limites, puisque Christian a insisté là-dessus, de certains mouvements d'occupation, ça a été de ne pas vouloir assumer la conflictualité. Une des limites, par exemple, de Nuit Debout, en France, ça a été de ne pas assumer la conflictualité. On ne délibère pas pour délibérer, on délibère pour décider.
Le principe du commun, c'est précisément le principe qui rattache la codécision à la codélibération. Mais la finalité de la délibération, c'est la décision. Alors, si on a peur de la décision, parce qu'on a peur du clivage, parce qu'on a peur du clivage entre minorité et majorité, à ce moment-là, on est mal parti pour mettre en œuvre la logique du commun. Précisément parce que ça implique d'assumer cela. La conflictualité n'est pas quelque chose qu'il faut craindre. La conflictualité est quelque chose qu'il faut assumer. C'est en assumant et en reconnaissant institutionnellement la conflictualité qu'on évite les guerres civiles. Et c'est au contraire, en voulant fuir la conflictualité, qu'on prépare les guerres civiles. Donc il faut à cet égard être clair, le principe du commun implique le fait de reconnaître et d'assumer pleinement la conflictualité. Christian. Eu gostaria de insistir no tema da circulação do dinheiro e da produção dos comuns. E queria fazer isso a partir de um caso brasileiro, um caso real, né, que é uma das nossas mais antigas e melhores universidades no Rio de Janeiro, chamada UERJ, né, que é uma universidade bastante tradicional, que faz muita pesquisa, e que é só um caso, entre outros, né, de equipamentos públicos que estão sendo, vamos dizer assim, desmontados, que estão sendo... não tem repasse de dinheiro, tem crises artificiais que são produzidas para transformar esse, vamos dizer, bem público, no sentido tradicional, num bem que, já que ele é ingovernável, já que ele é improdutivo, já que ele não se paga, numa massa falida que pode ser vendida, então, para o universo privado. Né? Então, a gente passa do público para o privado, porque, bom... O Estado não consegue administrar, não consegue pagar. E na Europa há uma experiência muito forte, penso no caso grego, o caso da Irlanda, da Islândia, dos países que são levados a uma espécie de crise financeira a partir do qual uma negociação se impõe. Né? Vocês consideram, por exemplo, esse é um caso... que pode ser incluído no, na praxis instituinte do comum? Ou seja, seria possível uma universidade comum, uma universidade real, né? É um caso exato, né, em que a gente poderia pensar o princípio do comum, não como um princípio descritivo, mas como um princípio de intervenção sobre a crise, sobre a crise na sua, no seu formato empacotado, né, neoliberal, em que os termos já estão dados. Né? Oui, tout à fait. Merci de cette excellente question. On pourrait prendre l'exemple grec, justement, que pour répondre à la terrible forme que prend la dictature néolibérale imposée par les institutions européennes, le FMI, sur la Grèce, et qui consiste à vendre le patrimoine du pays, à vendre les institutions, à vendre les aéroports, eh bien, une des réponses extrêmement intéressantes a précisément été celle de l'institution de commun. Il est tout à fait étonnant de voir qu'en Grèce, aujourd'hui, on appelle commun les institutions qui ont résisté à ce démantèlement, ou plutôt qui ont été créées pour suppléer aux institutions publiques qui n'avaient plus d'argent. Et je pense en particulier aux dispensaires, aux centres sociaux, autogérés par des médecins ou des travailleurs sociaux pour répondre aux besoins de la population. Pour ce qui concerne les luttes qui prennent la forme d'occupation, que Christian a évoqué tout à l'heure, et qui consistait à dire « mais l'occupation ne suffit pas, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ?» Eh bien, ce qui se passe en Grèce et ce qui se passe ailleurs, ce qui s'est passé en Italie, c'est le fait que l'occupation, en effet, ne suffit pas. L'occupation permet la réorganisation, ou ce
ce que nous appelons la réinstitution du lieu, de l'espace institutionnel. École, université, appauvrie, bradée, vendue au privé. Ces institutions-là n'ont pas seulement à être défendues comme des institutions d'État telles qu'elles étaient avant, mais elles peuvent devenir autre chose. Une université peut devenir un commun, au sens très précis que nous donnons à ce terme, c'est-à-dire d'un espace institutionnel collectivement organisé, collectivement gouverné, pour une destination qui est une destination collective en direction des usagers, c'est-à-dire en direction des étudiants, mais également de la société elle-même. On peut imaginer qu'une université, ça peut être tout autre chose qu'une institution qui ne viserait qu'à distribuer des diplômes à un certain nombre d'étudiants sélectionnés. Une université peut devenir un centre de création intellectuelle, de production de connaissances, en même temps que de diffusion de connaissances pour toute la société. L'université, une université, en réalité, est un commun de toute la société parce que c'est un lieu de réflexivité de la société sur elle-même. C'est un lieu précisément qui participe à ce que nous appelons l'action de la société sur elle-même. Une université, c'est un lieu donc où une société a à se réinventer, précisément par le travail des intellectuels, par le travail des professeurs, par le travail des chercheurs, mais aussi par le travail coopératif des étudiants. Donc en réalité, la révolution du commun telle qu'elle pourrait être mise en pratique dans toutes les institutions, ça peut être un théâtre, ça peut être un hôpital, ça peut être donc une usine, consiste à réinventer un mode d'organisation, mais aussi à réinventer un usage. On n'a pas fait assez attention au fait que nous utilisons beaucoup le terme d'usage collectif. Un commun, ce n'est pas seulement une manière de s'organiser entre soi, c'est aussi une façon de produire et d'entretenir une ressource ou d'organiser un espace pour des usages collectifs, pour des usages ouverts à la société, pour des usages précisément satisfaisant des besoins collectifs de tous. Les inégalités, elles se réduisent, pas seulement parce qu'on distribue plus d'argent à des gens, mais aussi parce qu'on permet des usages collectifs des lieux publics justement. Et je crois qu'il faut faire très attention à ce qu'a dit Christian tout à l'heure. Public, c'est un terme extrêmement ambigu qui a fait l'objet d'une captation étatique. Public, ça veut dire qu'il concerne toute la collectivité, au sens où on parle par exemple d'espace public. Un espace public, ce n'est pas un espace étatique. Une université est une institution publique, et elle doit le rester, mais pas au sens où c'est une institution qui appartient à l'État, qui un beau jour peut vendre cette institution au capital privé. Une université est une institution publique parce que précisément, elle relève de la collectivité, de la vie collective tout entière. Aussi, nous n'avons pas évidemment à donner de leçons aux uns et aux autres, mais je crois que, disons, ce que nous avons essayé de faire dans ce livre, c'est de dégager un principe qui était produit par les luttes et les expérimentations, de telle sorte que les acteurs, dans tous les domaines et dans tous les pays, tout au moins tous les pays où le bouquin sera, où le livre sera traduit et publié, puissent précisément voir qu'ils peuvent faire quelque chose, peuvent créer quelque chose, peuvent instituer quelque chose qui s'appelle des communs. Bom, então com isso encerramos essa excelente sessão. Agradeço muito novamente aos organizadores e a todos os participantes que fizeram excelente trabalho. Obrigada. Obrigado.
perguntas e perguntas. Você fez uma seleção. Bom. Caramba.